Je suis David Larry, directeur du ballet de la danse physique contemporaine. Et j'ai développé le projet Coup de balai dans les musées, un projet de médiation innovant. Coup de balai dans les musées, pour moi, ça a pour objectif, au-delà de la chorégraphie, de la danse ou de la médiation dans les musées, c'est vraiment de permettre aux jeunes de reprendre possession de leur patrimoine, de jouer ce rôle citoyen, c'est-à-dire qu'ils aient conscience de leur relation aux autres, qui permet à plusieurs villes de se rencontrer. Marseille, Strasbourg et Williamstown. Et quoi de plus beau que de les aider à développer leur lien social et culturel et artistique? Nous, on ne fait pas de distinction entre les publics. On part du principe que tous les publics doivent avoir accès à la culture. Et donc, du coup, on va travailler pour que le public le plus large possible ait accès à l'information. Qu'à travers la méthode de danse physique contemporaine, on développe l'hypsité du danseur, son caractère singulier. Donc, on lui donne de l'importance. On lui permet surtout de s'exprimer. Et donc on arrive à avoir des jeunes qui, effectivement, peuvent venir de quartiers et d'autres pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils sont dans le studio de danse, tout est remis à zéro pour tout le monde. Et là, ils développent une culture collective ensemble. Et c'est ça l'objectif des actions culturelles ou sociales qu'on peut mener avec le ballet de la danse physique contemporaine. On travaille depuis un moment avec les musées de Marseille et pendant le confinement, il me paraissait nécessaire, essentiel, de permettre aux jeunes d'avoir accès aux œuvres des musées. Donc on a pensé des courts-métrages pour que les jeunes puissent s'exprimer autour des œuvres des musées. Ça n'a pas pu se faire pendant le confinement, mais les musées nous ont recontactés après, on a échangé autour de ce projet. Ils nous ont dit « let's go, on y va ». Et donc du coup, vu que les musées de Marseille et de Strasbourg font partie d'un réseau qui s'appelle FRAMES, un réseau franco-américain d'échange autour de l'art et de la culture. Donc, on a sollicité des musées aux États-Unis et le musée, le Clark Institute à Williamstown, a répondu présent. Et donc, c'est un projet qui a réuni trois musées. Le centre chorégraphique de la ville de Strasbourg, l'École nationale de danse de Marseille et plein d'autres partenaires qui se sont greffés pour que ce projet puisse voir le jour. Au départ, le projet était plus lié au travail sur une collection de musées, mais comme il se trouvait que nous avions en cours ce travail avec les musées de Marseille et les musées donc de Strasbourg autour de la création de cette exposition de la Marseillaise, nous avons dit que ça pouvait vraiment permettre de dégager des thèmes très importants. Et puis, par la suite, pour la mise en œuvre, j'ai essayé de coordonner le côté musée de la ville de Strasbourg, donc tous les temps de médiation et évidemment jusqu'à la création, la restitution au public. Ce projet est venu à nous, en fait, au départ pour de la mise à disposition de locaux et je pense, après discussion avec David Larry, pour voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait travailler de façon plus étroite ensemble. Il m'importait à moi d'être plus présente dans ce projet et j'y ai vu un intérêt de faire participer nos élèves pour voir comment est-ce qu'on peut construire ensemble et comment on peut partager des idées ensemble. Donc pour moi, il me paraissait évident qu'on devait avoir des jeunes qui n'étaient pas du centre chorégraphique, des jeunes du centre chorégraphique et qu'ensemble, ils arrivent à raconter une histoire. Our goal as an education team is to engage people with art. We have rethought what we should be doing with our publics. This program, where we're engaging with art to think about power, is really very different from what art museum educators have traditionally done, where maybe we would teach people about the art. Instead, we're drawing students' interpretations about power, power dynamics, relationships, from their reading of the art. Dans ce projet, je me suis essentiellement chargée de la coordination auprès du musée d'histoire de Marseille et évidemment en lien avec les musées de la ville de Strasbourg et auprès du Clark Art Institute. FRAME est un réseau de musées français et nord-américains. L'objectif de ces réseaux de musées est de fédérer les professionnels de musées qui sont membres de ce réseau à travers l'organisation de temps forts, que ce soit par exemple des expositions communes ou encore des projets éducatifs. Ces projets éducatifs sont conçus dans le cadre de différents programmes, notamment le programme Diversité, Équité, Inclusion. Ces programmes permettent à des musées, membres du réseau, de s'inscrire dans un projet, de se fédérer et de créer un projet commun. Le programme FRAME sur l'inclusion,
la diversité et l'équité vient interroger coup de balai dans les musées d'une autre approche. Quelle vision nous pouvons avoir de la médiation au sens large et comment on peut la rendre la plus efficace possible. On a exactement le même objectif, c'est permettre aux jeunes de se nourrir de ce que la société a leur proposé sans les changer, c'est-à-dire que sans leur demander d'être quelqu'un d'autre. La Frame, ça a apporté ce regard pluriel et c'est une logistique lourde, c'est aussi des moyens donc économiques, c'est aussi une logistique, donc des contacts. Ça a été pas une petite machine, mais vraiment une grosse machine qui nous a poussé vers du plus. Et on est content d'avoir pu collaborer sur ce projet avec du coup 3 musées du réseau Frame. Dans les musées, c'était au départ l'objectif de se dire qu'on allait rendre accessible ce qui se passe dans les musées pendant le confinement. Et il se trouve que pendant le confinement, ça s'est pas fait. Voilà. Le projet, c'était vraiment de se dire qu'on a une vraie mixité, qu'on a 16 jeunes, donc 16 jeunes à Marseille, 16 jeunes à Strasbourg, 16 jeunes aux États-Unis, qui vont parcourir exactement le même chemin de médiation. Coup de balai dans les musées est un programme de médiation. Il ne faut pas oublier que les musées, c'est le patrimoine d'une ville. Et donc, ces jeunes y ont accès de droit. Et donc, on trouvait ça intéressant de le remettre ça au goût du jour. Là, la relation naturelle entre Marseille et Strasbourg, c'est la Marseillaise. Il y a toute une histoire qui était naturelle. C'est réunir finalement des cultures, des visions différentes pour que les jeunes puissent finalement être le plus enrichis sur le projet. Pour les musées de Strasbourg, donc nous avons mis en place différents thèmes. Au départ, en relation avec l'exposition de la Marseillaise, donc sur la solidarité, sur la citoyenneté, sur la fraternité. Il nous est apparu qu'un des fils rouges, ça pourrait être le thème du corps. Et donc là aussi, très vite, ce thème a été sélectionné. On a aussi travaillé sur la question de la mémoire. Un musée, c'est un endroit où il y a des choses liées au passé, à la mémoire, à l'histoire. Il y avait aussi une demande de David autour de la question du numérique et de l'usage du numérique pour les jeunes. Du coup, là aussi, on a réfléchi à la fois le numérique dans l'art, dans les propositions d'art contemporain, mais également comme support d'aide à la visite. L'ensemble des médiations, pour moi, était essentiel, c'est-à-dire que la danse, le musée. Il fallait faire un aller-retour permanent pour donner du sens au projet. L'idée, c'était pas finalement juste de faire de la danse, mais habiter les lieux après avoir vécu des expériences de médiation. Je pense que toutes ces expériences de médiation leur a servi justement pour participer au projet danse. Parce que quand ils sont arrivés effectivement pour danser, ils avaient déjà plein de choses. Ils avaient tout un vécu avec les musées. Et donc, on était directement dans le vif du sujet. Un musée, pour moi, est un lieu de découverte. Et il y avait leur lien, je trouvais que c'était ça, c'était découvrir leur monde. Et c'est le rôle clé même de la médiation, je trouve, c'est de faire, c'est de montrer aux jeunes qu'un musée parle d'eux. Et ainsi, je me rappelle une remarque d'une jeune fille qui disait... J'apprends mon histoire en quelque sorte, et ça c'est super. The main theme that we kept going back to was authority and power, and we had them explore the galleries, and then we would talk about the art, and we would talk about power, because for us art is the human interaction, how it validates humanity.
Ce qui était vraiment très séduisant dans le projet de David, c'est cette idée que la danse est un vrai vecteur pour permettre à des jeunes gens, pas forcément spécialistes de l'art ou du monde des musées, de vraiment s'approprier justement une œuvre d'art, une salle d'un musée ou même un ensemble patrimonial. Donc non seulement l'idée était séduisante, mais en plus la réalisation nous a bien montré que bah oui, on peut, grâce à la danse, avoir cette accessibilité, facilité dans les musées. Aujourd'hui, on a la chance de se réunir. Je vais essayer de faire en sorte que la semaine dernière, on a vu des jeunes à Williamstown. Tout ce qu'on va vivre cette semaine, ils l'ont vécu la semaine dernière. D'accord ? Donc, on était à New York et à Williamstown pendant une dizaine de jours. Donc, on a pas mal échangé avec eux. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de choses en termes d'éducation sociétale légèrement différentes. Et qu'on a réussi malgré tout à démontrer que alors vous êtes tous tout simplement des jeunes qui ont envie que si on vous donne les moyens et la liberté de vous exprimer, ben on peut y arriver. Mais en plus des Strasbourgeois, qui eux l'ont déjà fait, vous allez visiter des musées, et donc voir l'exposition de la Marseillaise avant qu'elle arrive à Marseille. Donc ça c'est vraiment l'objectif de venir ici pour pouvoir échanger et discuter autour des œuvres. Dans le processus de départ, il n'y avait pas de voyage. Et les musées ont trouvé intéressant de permettre à ces jeunes d'aller d'un point A à un point B et de se rendre compte que la même exposition peut avoir une couleur différente. En studio, les jeunes se sont rencontrés, ils se sont découverts, esthétiques différentes, langages différents, approche de la danse différente. La danse physique contemporaine, c'est vraiment un outil magique parce que en très peu de temps, on arrive à voir des jeunes transformés. Et ils ont pu nous le démontrer à travers des œuvres, car en ayant visité l'exposition, quand on regardait le spectacle, on était comme transcendé par tout ce qui venait de se passer dans le musée. Chaque mouvement avait une intention derrière le geste. Ici, c'est bien une des spécificités de la danse physique contemporaine, c'est bien ça, c'est d'avoir un corps incarné, pas de faire semblant, de rester authentique. Et là, ils l'ont été dans leur danse, ils ont tout tué. Exception, ont vécu une semaine très intensive comme ils n'ont jamais l'habitude de vivre la danse. Et en même temps, ça a été pour eux fondateur, ils ont découvert la danse. On oublie toutes ces esthétiques, on est là pour danser. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Et le propos, en fonction de l'œuvre qui avait été choisie, était pour eux le meilleur sujet pour pouvoir défendre la chorégraphie. C'est ça qu'on attend d'eux, c'est qu'ils se donnent à fond. Et ils ont tenu le coup, et aujourd'hui, on est content parce qu'on nous demande aujourd'hui est-ce que le spectacle peut jouer ailleurs. Tant les jeunes étaient investis sur ce projet qu'on a du mal à imaginer qu'en une seule semaine, ils arrivent à produire entre plus de 15 et 30 minutes de chorégraphie. Je pense que c'est une expérience fondatrice pour des jeunes de voyager, de sortir de son propre cadre. Ils ont été pris en charge du début à la fin, donc train, logement, hébergement, des animateurs avec eux. Ils ont pu visiter les villes, que ce soit Strasbourg ou Marseille. Ils ont vécu une expérience fondatrice, une aventure humaine. Et ça, pour moi, c'est déjà le point culminant de cette histoire. Comment on peut se tendre la main les uns envers les autres. On leur apprend entre eux à accueillir l'autre.
Ils ont bien pris l'ampleur de ce projet-là et je pense qu'ils se sont immédiatement mis sur les rails pour ça. Et comme ils étaient tous volontaires, puisque c'était sur audition, ils y sont allés vraiment avec beaucoup de volonté. Je les ai trouvés très, très investis. Pour moi, c'est très important d'avoir des échanges avec une autre vision, une autre esthétique, un autre univers, et mélanger tout ça crée à un moment donné de la richesse artistique, pédagogique, culturelle aussi, et pouvoir le transporter sur plusieurs espaces, c'est encore plus pertinent. Je pense que des gens qui n'ont pas du tout visité le musée, une fois qu'ils verront la chorégraphie, auront envie d'aller voir toutes ces œuvres qui sont présentées. Je pense que la chorégraphie va exprimer des choses que des œuvres statiques ne peuvent pas exprimer. Il se passe autre chose, il y a du vivant. Il y a des choses qui sont imprévisibles, qui sont liées à la danse. Et je pense que c'est une autre manière de pouvoir aborder les œuvres. Et je pense que là, en tout cas, les jeunes ont bien réussi leur coup. Avec les jeunes pendant tout le projet. Ils avaient tous des questionnements sur la vie, sur ce qu'ils sont, sur leur avenir, plein d'interrogations. Et c'était très touchant de les voir changer en une semaine, jour après jour, prendre confiance en eux, venir me parler de choses qui n'ont pas forcément à voir avec la danse, venir me parler de la vie en règle générale, me dire que j'avais changé leur vie avec ce projet, qu'ils n'imaginaient pas pouvoir vivre la danse comme ça. Incroyable, c'était une expérience vraiment, je l'oublierai jamais. J'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment pas le style de danse que j'ai l'habitude de faire et ça me permet vraiment de varier mes styles et tout ça. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est top, c'était trop bien, trop hâte de les revoir. Je suis contente d'avoir retrouvé les Strasbourgeois parce que honnêtement, il y a une vraie nostalgie de Strasbourg et donc du coup de recréer cette nostalgie, un deuxième souvenir en fait. Je suis vraiment contente de les avoir retrouvés, de retravailler avec eux, puisque c'est vrai que quand nous on est allés à Strasbourg, et ben, y a eu directement une cohésion et on s'est directement bien entendu. C'était vraiment très important pour nous de les retrouver maintenant, de voir comment ils vont. I really enjoyed the experience personally. I thought it was super cool that we embodied animals and just energy and movements and using that to do different dance movements and styles. I think it's really cool having like these sort of shared experiences like across the world, from France to America. Entre toi et moi, aujourd'hui, je pense qu'on fait un groupe très uni les deux. Aujourd'hui, il y a plus de Strasbourg, plus de Marseille, il y a Marseille et Strasbourg ensemble. Et c'est ça qui est beau dans ce projet, l'unification. C'est un projet qui nous touche droit au cœur, qui les a touchés aussi. C'est le challenge. Pendant coup de balai dans les musées, il y en a qui ont failli arrêter, il y en a qui voulaient partir, d'autres. On a eu droit à tout ça, et pourtant, ils sont là. Ça, c'est le plus beau souvenir que je garderai de ce coup de balai dans les musées. J'ai un souvenir qui m'a marqué et qui m'a fait un peu frissonner. C'est justement quand le groupe des Marseillais, quand ils ont vu l'œuvre de Rodin en vrai, très spontanément, ils ont dit « Ah, on va vous montrer la figure ». Et là, donc, j'ai vu 5-6 jeunes se mettre les uns sur les autres avec la sixième qui était soulevée. Et là, je me suis dit « Oups, là là, j'espère qu'il n'y a pas un gardien ou la conservatrice du musée qui va arriver à ce moment-là ». Mais en même temps, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai vu qu'ils étaient très fiers, en fait. On a vraiment réussi à... cette représentation au musée, elle était extraordinaire. C'était une représentation qui a permis, en plus d'accueillir des publics qu'on n'accueille pas ici au centre chorégraphique. Et se sont arrêtés des gens qui allaient au musée et qui ne s'attendaient pas à voir de la danse non plus. Mais oui, je pense qu'il faut refaire des projets comme ça. Je pense que ce projet de balai dans les musées, c'est un projet de médiation assez innovant qui a permis d'engager
un groupe de jeunes de divers horizons imprégnés véritablement des collections en fait et de l'histoire de chaque ville, du patrimoine de chaque ville. Et c'est un projet quand même assez innovant. Ils ont trouvé leur place au musée, ils ont investi les espaces du musée grâce à la danse et grâce aux médiations qui ont eu lieu au sein de ces musées. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose de très fort. I think that David's technique is the perfect match for what we're trying to do here. I mean, it couldn't be more synergistic. So the kids are looking at art, interpreting it based on what they see, feel, learning a little bit about it too to see where the crossroads are. We find the area where they cross with some of the information about the art, and that's when it gets exciting. And I think the same thing is true with the dancing. David is helping them learn how to move. So just like that, they are expressing their interpretations through movement, and then he's tweaking them with his knowledge and his expertise so that the end product is magnificent. La danse a sa place dans les musées depuis très longtemps, que ça se voit de plus en plus. Vous savez, c'est souvent difficile de détourner quelqu'un de son chemin. Dans la société nous impose des codes et des règles, les gens sont souvent pressés. Et s'autoriser le détour créatif en s'arrêtant, en regardant quelqu'un en train de peindre, en train de danser, pour moi c'est essentiel. Et donc, mettre de la danse dans un musée, c'est replacer le sens de l'art et de la culture et ce pourquoi finalement tout ça existe. Ce projet a été très inspirant pour beaucoup, donc on a déjà une école qui nous a sollicité, donc sur un format plus court, mais identique, action de médiation, création chorégraphique et représentation. Pour moi, le coup de balai dans les musées, c'est ça, c'est des jeunes qui sont des ambassadeurs, et donc le futur arrive plus vite que prévu, c'est que le projet se termine, et on est déjà en train de finalement de travailler sur la continuité de ce projet. Ça effraie un peu, autant de réussite et de virtuosité, parce que ça place la barre. Là, permettre aux jeunes de développer un langage, de développer une culture, de créer un lien fort artistique, culturel, social, pour moi, la danse physique contemporaine prend un tout autre sens que celui qu'on peut faire dans les créations. Et je suis heureux qu'on ait pu mener à bout ce projet, et j'espère que le BDPC pourra en mener d'autres. C'est le point.